Bonjour à toutes et à tous. Petits et grands. Bienvenue dans le monde de Kazet and Tess. Nous espérons que vous allez bien et nous vous remercions de votre fidélité. Comme vous le savez déjà, nous sommes depuis toujours de très grands fans de la société ainsi que de l'univers Disney. Cumulant depuis des années jeux de société et films Disney, désormais nous partageons avec vous notre passion en vous présentant chaque semaine un jeu de société, dire d'aujourd'hui ou bien un petit quiz Disney. C'est parti. Nous allons vous présenter le jeu Clash, l'attraction magnétique. Ce jeu a vu le jour fin décembre 2013. C'est un charpentier danois qui créa ce jeu dans son atelier. Il en fit cadeau pour Noël à quelques amis. Et rapidement, son jeu fut demandé à travers le pays. Puis remporta le prix du jeu de l'année danois. Après son incroyable succès, ce jeu est enfin disponible en France. Il se joue à 2 joueurs. Jouable à partir de 8 ans et bien plus. Mais d'après notre expérience personnelle, l'amusement peut être possible à partir de 5 ans. C'est-à-dire bambin, enfant, ado et adulte. Une partie dure environ 10 minutes et fonctionne sans pile. Dis-moi Tess, quelle formule magique vas-tu utiliser aujourd'hui? Ah ah! Il y en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Waouh! Tu es une vraie petite fille du livre dans la jungle toi. Merci. La boîte contient un plateau de jeu, 2 pions magnétiques, 2 aimants de pilotage, 4 aimants blancs dont 1 de rechange, 2 jetons de score, 2 billets dont 1 de rechange, 1 sac pour ranger les pièces et une règle du jeu. C'est parti pour la mise en place. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Merci Tess. À savoir, il y a 4 façons différentes de marquer un point. Quand la bille entre dans le but adverse et y reste, quand 2 ou 3 aimants blancs restent aimantés au pion de votre adversaire, quand votre adversaire rentre accidentellement son pion dans son propre but, et si votre adversaire fait tomber son pion. C'est parti pour le jeu! Le plus jeune commence à partir du coin qu'il s'est choisi. Allez Tess, vas-y. Ouf! Ouais. 1 point pour moi. J'ai marqué un but dans le camp de mon adversaire, donc j'ai 1 point. Avant de recommencer chaque partie, les aimants blancs sont replacés à leur place. Le joueur qui n'a pas marqué le point réengage la partie. Pour toi. Bravo Kazet. Comme j'ai marqué un but dans son camp, je gagne 1 deuxième point. Comme tout à l'heure, le joueur qui n'a pas marqué le point peut réengager la partie. Pour toi. Allez. Ouf. Déjà 1 aimant blanc sur moi. 1 deuxième. Et le point pour toi. Allez. Son pion est rentré dans son propre but, donc je gagne 1 troisième point. Il faut que je le batte là. Comme tout à l'heure, avant de recommencer chaque partie, les aimants blancs sont replacés à leur place. Le joueur qui n'a pas obtenu le point peut réengager la partie. Pour toi, Tess. Allez. Ouf. Ouf, presque. Ouais. T'as fait perdre le point. Et moi, j'ai failli me faire toucher par un aimant blanc. Allez. Joli. Merci. Je marque 1 point. Cette fois-ci, c'est à Kazet d'engager. Allez. Ben là, déjà, t'as beaucoup. Alors. Ouf, 1 aimant déjà. Ouais. Tu vas perdre. Allez. Débloqué. Voilà. J'ai failli tomber. Ouf, attention, j'ai fait ton blanc. Ouf, il faut que tu le récupères, c'est obligé. Oh non, t'as réussi. Je l'ai pas fait toucher. J'ai eu chaud. J'ai fait tomber mon pion dans mon but. Alors, Kazet marque 1 point.
T'as failli tomber, hein? Il a failli entrer dans mon... J'ai fait tomber mon pion, donc Kazé a un point. Tess a perdu le point, donc elle engage. Allez, Tess. Ah, je me suis fait avoir par un moment déjà. J'ai marqué un but, je gagne un point. Allez, t'es prête? Oui. Ouf, déjà un immense. Ouf. Allez, plus rapide. Allez. J'ai été accrochée par deux aimants. Donc, je marque un point. Allez, t'es prête? Oui. Bah, dommage pour moi, hein. Ouf, déjà un aimant blanc sur toi. Un deuxième. Et là, j'y gagnais. Non, toujours pas. Pas encore. Comme deux aimants blancs se sont accrochés au pion de ma sœur, mon frère a gagné la partie. Bravo, Kazé. Le jeu est maintenant terminé. Qu'avez-vous à dire, les enfants? Ce jeu est excellent pour jouer en famille et met en éveil vos réflexes, votre sens tactique et votre coordination. Mais n'oubliez pas, les amis, l'important ce n'est pas de gagner, mais c'est de s'amuser. En espérant que notre vidéo vous ait plu, mettez des gros pouces bleus ainsi que des commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne. Au revoir à toutes et à tous. Petits et grands. Et à bientôt dans le monde de Kazé et Tess. À bientôt.